C'est parti pour le tournoi galactique. On y va, bonne chance à tous. Rebonjour la peste Mojo, ça va ? Allez, en route. Donc je rappelle, le code tournoi est tout en bas de l'écran. Ceux qui veulent nous rejoindre, n'importe quand, vous pouvez. Aucun souci. Je vais très bien, la peste Mojo, je te remercie. Allez, en piste. On est 5. Alors, j'ai mal compté. Est-ce que j'ai mal compté ou il y a quelqu'un qui nous a peut-être pas rejoint encore ? Ah oui, c'est toi la peste Mojo. Allez, bonne chance à tous. On est parti. Les bots sont un petit peu à la traîne. Pour l'instant. Attention, il y a un bot qui peut sortir du lot, on le sait. Il y a un bot qui peut terminer premier à tout instant. Ouais, GG qui me barre un petit peu la route. D'accord, moi je passe en haut. Je suis bien tranquille. Je sais pas. Qui a quoi ? Je t'ai vu, voilà. Je t'ai vu, Camille, avec ton boomerang. Hein. Je t'ai vu, petit Yoshi. Allez, ça s'éparpille. Attention la verte. Oh là là, tu m'as eu quand même. Avec de la chance. Il en faut, il en faut. Matteo juste derrière. Qui est à droite? Je sais pas. Je sais pas. Alors, vous voyez, je vais grandir quasiment dernier. Et que des champis. Ça, c'est bon. Je suis chaud aux fesses. GG qui est tranquille pour l'instant devant. Il a... Ah, je vois rien, je vois pas, je vois pas. C'est... Ah, c'est pas très bon, ça. Alors... Où est-ce que je prends la tête? Non, pour l'instant, non, j'arrive pas à prendre la tête. Oh! Allez, double item et on va voir. Dernière ligne droite. Ouais, GG, je te vois. Non, je peux rien faire. Je peux pas faire grand chose. Un double backspam. Bien joué, GG. Camille 3ème, Matteo 4, Jennifer 5. C'est bon, on complète les premières places de la room. On ne laisse aucune occasion au bot. Attention. T'allumes la Switch, la peste Mojo. Alors, ce qui est bien avec l'allumage de la Switch, c'est qu'il n'y a aucun temps de chargement. Pour une console d'aujourd'hui, c'est assez incroyable. Jennifer, faut essayer de faire un rôle sur Discord. Par exemple, si c'est moi la première à la fin, j'ai le rôle, mais si quelqu'un me détrône... Ça t'enlève le rôle pour remettre l'autre personne. Mais c'est quoi que tu appelles un rôle? Oh, ça fait longtemps. Ah, j'adore cette course. J'adore, je la trouve fraîche.
Pourquoi il n'y a personne ? Néo ! Néo ! Bon, faut que je maintienne ma position maintenant. C'est le plus dur à faire. Surtout lorsqu'on a des bots qui envoient des éclairs à partir du début du second tour. Et là, je peux rien faire. Ah, dans le vide. C'est toi, Jennifer, encore. Encore et toujours. Je l'ai dit, hein. Début du second tour. Attention, c'est ma banane, ça. C'est ma banane à moi. J'entends, je l'entends. Je me fais assaillir de rouge. Une bombe dans le vide. Mathéo, je crois que c'est toi. Tu as fait un très très joli vol à cette bombe. Tu as fait faire un très très joli vol, c'est mieux. Allez, dernier tour, je suis cinquième, Jennifer devant, attention, ne glisse pas, Popo. Là, il faut vite l'envoyer devant. Ah, je peux pas. Quatrième maintenant. Double item, absolument, voilà. Pas d'éclair, wow, c'est quoi ces items? Bon. Quatrième au mieux, quoique, oh, la bombe qui m'aide. Ah non, la bombe qui m'aide pas du tout. Ah, je pouvais pas te doubler. Bien joué Jennifer, donc Jennifer 3ème sur le podium. Camille 2ème, GG 1er, encore bien joué, et Mathéo 5. Et puis voilà. Alors, ça peut être cool, du genre maîtresse-maître du tournoi galactique, avec une petite couronne ou un drapeau, et qu'on se le pique à chaque tournoi. D'accord, alors pourquoi pas, il faut que je vois comment je peux faire ça. Parce que, je sais pas si vous le savez, mais Discord, je connais quasiment pas. Maintenant, je connais un peu mieux, bien sûr, parce que j'ai farfouiné. J'ai fait des réglages et tout ça, mais je connais pas encore toutes les fonctionnalités. Pourquoi pas, vous me direz. Pas mal cette idée de couronne qu'il faut se piquer. Ça va pas durer, GG. Non, tu le dis tout le temps, mais t'arrives quand même à choper de très très bonnes places. Mais la semaine dernière, par exemple. La semaine dernière, une ribambelle de première place pour toi. Allez, aspiration, attention les éponges. La rouge qui ne sert à rien. Jennifer en tête, et moi j'ai 10 pièces, c'est tout bon. Ouais, je sais. Je savais pas si t'allais à droite ou tout droit, donc... Je savais que t'allais faire un backspam, mais je savais pas où. Ok. Je t'ai complètement loupé, GG. Oh non. La bombe. Camille peut tellement faire de dégâts ici. Je balance au hasard, ça va toucher peut-être. Peut-être, ça a touché. Ah, vous êtes là. Tout le monde est ici. Bien, donc Mathéo 1er, GG 2ème. Mathéo avec une protection.
Je vais là. Très bien. Je passe deuxième, premier même. D'accord. Protection, tout de suite. Et là, on fait attention. Mathéo avec ta carapace verte, je l'ai vu de loin. Hein. On l'entend même. Tu m'as touché. Oh, purée. Ah bah voilà. Ça a un prêté pour un rendu. Troisième, je suis troisième, attention. Attention, qu'est-ce que je peux faire? Pas grand chose. Je sais pas. Ah, oh, je peux passer deuxième. Oh, je sais pas qui j'ai eu. Je crois que c'est toi, Jennifer. Le petit Yoshi jaune. Médaille d'argent. Médaille d'or, c'est pour GG encore. Voilà, trois fois de suite, bien joué. Jennifer troisième, Mathéo 4 et Camille 7e. Mathéo, je veux être la domina du tournoi. Demande à un modo. Et le modo, c'est moi. J'ai pas de modo. Ah, sur OBS, on a un plugin pour ça? Ah, pour le boss du chat? C'est-à-dire le boss du chat? Qu'est-ce qu'il fait? Il vire tout le monde. Ça commence les coups fourrés de Mathéo. Ah, Mathéo, ça sent le canapé apparemment pour toi. Oh, joli, je sais pas qui a envoyé ça sur GG, mais je l'ai vu partir de loin. C'est peut-être Camille, c'est peut-être toi Camille. Protection, toujours. Par contre, sur cette course, c'est pas judicieux d'être premier. Surtout en fin de troisième tour. On verra, on n'y est pas encore, mais je crois qu'en étant premier, c'est rare. On arrive premier, qu'on termine, qu'on passe la ligne d'arrivée premier si on est premier au niveau du champ. C'est pas mal pour l'instant. Le champ, non mais c'est pas... Vilain champ, vilain champ. Rentre à la niche. Qui est-ce qui m'a klaxonné? C'est toi, GG. Un bon klaxon dans le visage de Pauline. La rouge agressive. Je t'ai vu arriver en trompe derrière moi, plus la rouge. C'était l'apocalypse pour Pauline. Pourquoi j'ai pas gardé Champy? Je sais pas. Mince. Et voilà, là tout le monde coupe. C'est la folie. Quoique, j'obtiens tout de même le podium. Et GG en tête toujours. Hein. Deuxième Jennifer, quatrième Camille. Et cinquième, la domina Mathéo. Ouais, il va falloir que je vois ce que vous m'avez dit dans le chat. Ça peut être sympa. Ah pardon, je t'ai pas vu la peste mojo, excuse-moi. Septième pour toi. Bien, 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 bien. Tu as ri. La domina. Moi, ça me fait penser
à l'époque de la Rome antique. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, ça m'inspire pas confiance tout ça. Allez. Ah, GG est en feu. GG, je sens que tu t'es entraîné. Hein. points donc, bien sûr. 4 x 15. On en est où au niveau des points ? Je sais pas. Si c'est là. C'est parti. Et l'on passe ici. Et je crois que GG, tu me diras après, mais à mon avis, tu t'es extrêmement entraîné pour faire de nombreux mini-turbos. Je te vois glisser dans tous les sens. Là, je pense qu'il faut faire ça, voilà. C'est pas mal, ça. Qui s'est pris ? Mais c'est toi, Mathéo. Tu t'es pris ma rouge. C'était pas voulu. Attention. Ah, ce soir, GG est indétrônable. La banane, pardon. Ah, je l'entends. Doux son pour celui qui n'est pas premier. Ok, donc je suis premier, sauf que je suis premier quasiment à la moitié du troisième tour. J'aime pas. J'aime pas vraiment. J'ai au moins une protection. Ok. Et bah ça m'arrange beaucoup. Beaucoup. Merci le petit éclair. Ah. La première passe pour Pauline, pardon, de la soirée. GG 2, Jennifer 3, Camille 4, Joe 5, bien, la peste mojo. Et Mathéo 9, je crois. Bien joué à tous. Bravo tout le monde. Donc le boss du chat. En gros, un viewer qui est le boss. Oui, mais ça veut dire quoi ? Et en faisant des actions, des follow, sub, dons, etc., ça enlève des PV, des points de vie. Et d'autres viewers peuvent prendre la place du boss. D'accord. Mais j'ai pas encore très bien compris le rôle qu'avait celui qui est le boss du chat. Qu'est-ce qu'il peut faire, lui ? C'est simplement un titre ? Ou il y a quand même des actions qu'il peut faire, lui ? Puis je m'en renseignerai, hein, bien sûr. Mais si vous voulez me dire, il n'y a pas de souci. Je prends les infos. Je vous écoute. D'accord, c'est comme un jeu de rôle. D'accord, comme tu me disais tout à l'heure. Ok. Parce que je me disais, s'il y a un viewer qui prend le contrôle du chat et qui peut faire des actions, ça peut être assez... Je sais pas, voilà. Mais ok, d'accord, je vois. Oui, bah écoute, faut que je vois ça alors. Ça peut être marrant. Et puis, dès que, bien sûr, je passerai en mode affilié, il y aura les points de chaîne, il y aura les subs... Enfin, faut que je vois ça, bien sûr. Les subs et autres qui vont arriver bientôt. Allez, triple rouge, triple champi.
On remonte. Troisième, Mathéo. Deuxième, attention, les boules de feu. Et double rouge, je peux embêter. Qui est le premier? Qui est premier? Qui est première? Le premier. C'est Pitchette. Ah, la banane. Tu m'as totalement eu sur ce coup-là. Mm-hmm. Ah, ils sont trop loin. Ils sont trop loin, à moins que... Oh, je peux peut-être faire un coup. Attention, la bleue. Là. Super. Oh non, une verte comme ça, qui traînait par ici. Eh oui, j'ai cru que j'avais des champis. Attention, pour l'instant je suis neutre, j'ai un champi doré. Oh, je fonce, attention, le qui est Mathéo, l'étoile folle qui m'a touché, bien sûr, j'y m'attendais. Ouh, cette fin de course totalement folle. Et Jennifer qui a terminé première, bien joué. Terra Nova qui nous a rejoint avec sa pitchette. GG en troisième position, j'ai pas eu le temps de regarder tout le monde. En tout cas, bien joué. La peste mojo, est-ce que tu sens que ça va un petit peu mieux de semaine en semaine? Au niveau de la prise en main du kart. Ou pas, hein, tu peux me dire non, hein, mais... Est-ce qu'en faisant une fois par semaine, est-ce qu'en... Ça change un petit peu quelque chose? Ah mais oui, c'est vrai que t'as joué, t'étais en famille le week-end dernier. Ah bah oui, donc tu as pas mal joué, tu me dis. Seul et avec ton frère. Eh donc ça se ressent. Hein. Surtout le début. On augmente vite. En termes de maniabilité. Donc GG premier hein, avec 82 points. Classement général. T'as trouvé des petits tips sympas. Et oui, t'es pas 12e. Déjà, ça fait du bien hein, de pas se retrouver dernier. Ça fait du bien au moral. La pitchette de Terra Nova devant, attention, c'était qui? Camille peut-être. Hein? La bombe qui est partie sur la piste noire à bosse. Moi je prends le raccourci, est-ce que je vais... Je pense que c'est bon. C'est pas bon. Un chouï après. Mais qu'est-ce que... C'est vrai. Les petits masques à skieurs qui nous font bien plaisir. Ça, je le fais à chaque fois. Je vois une carapace arriver dans le rétro. Et je vais pas dans le bon sens. J'inverse. Bon, on retente, bien sûr. Si je peux. Attention, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, voilà. Et là, on est bon. Logiquement, on est bon. Faut pas que j'aille trop loin. Voilà. Et là, on repart avec un champi. Magnifique. On m'a piqué un item devant moi. Merci. Et troisième pour le début du troisième tour. Devant, on a Jennifer, Camille qui est à côté. C'est pour moi. Je crois que c'est pour moi. C'est pour ma pomme. Merci. J qui part en trombe avec sa bile. Ouais. Je peux pas faire grand chose avec ça. Je peux
Peut-être, non, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Oh, champi doré. Ouais, mais non, mais tout le monde est arrivé là. Je sais pas où vous êtes, mais. Ah non, j'ai pris une place à quelqu'un. Cinquième. Allez, qui est en bas? Alors, la peste mouge au 8ème, Mathéo 6, GG 4, Jennifer 3, Camille 2ème. Bien joué tout le monde. Tu es vert, GG? Pourquoi on t'a piqué la place à la fin? T'es passé de 2 à 4. Ah ouais, c'est pas la même chose. Donc 91 pour toi. Jennifer 75 et moi 74. On est au coude à coude pour la deuxième place. Camille qui se démonte toute seule. J'avoue, j'ai lancé une petite rouge. Fallait pas le dire. J'aime bien ma petite protection là. Je me sens en sécurité. Alors, première, c'est Camille. On te su... Non, c'est pas toi, Camille. Ah non, c'est GG. Depuis le début du tournoi, ce soir, tu t'es pris pas mal de bleu. Vu que t'es souvent premier. Allez, ah oui, c'est ma banane. Yes. Faites attention, il y en a un peu partout ici. Ça fait deux fois que je me prends ce rebord. C'est horrible. Camille première. Plus maintenant. Est-ce que t'as ta rouge? J'arrive pas à voir si t'as ta rouge. J'y crois pas. J'y crois pas. Ah, j'y crois pas. Je suis dépité. Cette banane qui m'a mis, bah, qui me fait terminer troisième. Alors bien joué Camille, première place pour toi. Jennifer deuxième. Quatrième GG, Mathéo sixième et la peste mojo neuvième. Pour le modo, choisis bien parce qu'on peut ban quelqu'un. Oui, oui, je sais bien. Toi-même en tant que modo chez quelqu'un. On pourrait être en appel en privé pour que je puisse tout expliquer, du moins grosso modo. Oui, non, mais je vois très bien hein, le pouvoir des modos, bien sûr. Je suis de plus en plus bas, tu nous dis, la peste mojo. Mais t'inquiète pas, ça va remonter d'un coup. T'es modo chez quelqu'un? Ça va? Faut avoir les yeux partout. Surtout s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de viewers qui parlent dans le chat. Ah oui, petite descente, oui. 5, 7, 8, puis 9. Ah oui. Pour redresser la barre. Bientôt 12, non, faut éviter. Évite le 12. Mais c'est ça. Faut avoir les yeux vraiment partout.
Alors, qui a fait faux départ? Jennifer, je crois. Bon, ça se dispute la première place, sévère. C'est sévère ici. Ça pardonne pas. Tu prends l'aspi, Mathéo? Voilà, t'as pris l'aspi. Ah, j'ai failli nourrir la plante avec ma banane. Ok. Je vois plus personne. Vous êtes trop loin. Faudrait que j'apprenne à vous repérer sur la minimap. Quoique, Mathéo, je crois que t'es second. Suivi de Camille, ta chair est tendre. Attention, je risque... Non, c'est bon. Derrière, il y a qui? Je sais pas. Oula, attention. On regarde devant. Oh, la rouge, elle est pour moi. Où elle est pour moi, la rouge? Non? Si, moi aussi. Attention, sous la plante. Yes. Allez. Cinquième. Oh, si j'étais un podium. C'est un miracle. Voilà, je peux pas. Non. Donc, Camille quatrième, je te vois devant. Attention, les baleines. Mathéo second. Si je me plante pas. Non, troisième. La Domina. Jennifer deuxième, Camille quatrième, GG juste derrière moi, et la peste mojo, j'ai pas vu. Est-ce que tu as redressé la barre? Alors je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent. Si vous voulez participer au tournoi, n'hésitez pas. Le code tournoi est là, en bas de l'écran. Vous pouvez entrer à tout moment, partir à tout moment. Chacun fait comme il le sent. Huitième. Bon, t'as augmenté d'une place. Toujours derrière un bot. Allez, sois énervant ces bots. Hein. Il y a eu une période où il y avait beaucoup de trolls. C'était insupportable. Pourquoi ça s'est un petit peu tari? Ça s'est un petit peu calmé? Enfin, tant mieux que ça se soit calmé. Je le savais. Je savais qu'on allait se rencontrer ici, GG. La croisée des chemins et la rencontre après. Ça allait être pour moi, cette petite verte. Alors, Camille, je te vois. Donc, t'es pas loin devant. J'ai balancé au pif, on verra si ça touche pas. Et plouf, dans le lac boue. Bien. Les bananes sont pour moi? Non, même pas. C'est bon. Double item, champi ou pas? Champi. Impeccable. Camille. Ouais. «
Dinifer derrière, Mathéo devant. Je suis prêt entre deux feux là, je suis prêt entre vous et les bottes. C'est pas terrible. Là, ce qui se passe, si j'arrive au-dessus de 6ème, c'est un miracle. Et j'ai pas glissé. Quoique, oh, très très bon ça. 4ème. Parfait. Merci l'éclair. La peste mojo 10ème. Aïe, Camille 8. Aïe. Mathéo, GG et Jennifer, première, c'est ça ? Bon, bien joué tout le monde, hein, bien sûr, comme d'habitude. Bleu plus éclair, c'est pas cool. Non, c'est sûr, GG. Je te comprends. Non, cinquième, alors mince, j'ai loupé qui ? Qui est premier ou première ? Mathéo ? Qui est-ce que j'ai pas cité ? Ou personne peut-être du chat. Hein. Non, c'est pas toi. Bon, on saura jamais. Ah oui, c'était Terra Nova. Ok. Et j'arrive toujours pas à me souvenir de qui est Terra Nova. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Attention, chaud devant. Ouais, oh la rouge, je dis. Quelle violence. Terra Nova toujours devant. Hein. Je vais tenter de couper là, sur l'aiguille. Attention. C'est bien ma grande. Attention, attention. Premier, deuxième, on oscille. Il fait exprès de se mettre devant moi. Je passe devant, voilà, je peux plus de ça. Ok, protection. Il y en a deux. Et pourquoi moi j'en ai pas deux ? Mais pourquoi donc ? Jennifer troisième derrière. Bon. 10 pièces au moins, ça c'est bien, c'est fait. Vite, vite, vite. Ah, la bleue tombe tellement à pic. C'est bon ça. Ça peut m'arranger. Ou pas, je sais pas. Je sais pas où il est. Il est là. Voilà, donc j'ai mal géré. Quoique, je peux faire un truc. Je peux faire un truc. J'ai fait un truc. Et ben voilà, la première place. Ah, ce qu'il faut pas faire. Et vous ? La peste mojo 9, Mathéo 7, GG 6, Camille 5, Jennifer 2ème. Bien, bien joué tout le monde. On fera un topo au niveau de la 12ème course. Merci la peste mojo pour ton GG.
C'est gentil. Oui, j'aurais tenu premier à la moitié du parcours. Ah mais je... Tu vas voir, tu vas revenir. Tu vas revenir sur le devant de la scène, je le sens. Prendre beaucoup de pièces au début, très important. On balance, ça touche pas bien sûr. Et champi, mais là j'ose pas. Je me décale tout le temps du mauvais côté. Bon. Attention, ouh, le klaxon de Camille. La plante me fait faire n'importe quoi. Allez, je tente. C'est pas passé, dommage. C'est mes vertes. Oh, l'erreur de calcul. Est-ce que vous êtes... Ah oui, trois champis. Bon, je tente, hein, bien sûr, comme tout à l'heure. Ça passe pas. Ah, c'est... Oui, ça ne passe pas. Ça veut pas passer. Et on force. Les premières Jennifer, deuxième GG, troisième Camille, quatrième La Peste Mongeau. Bien joué, quatrième Mathéo 7. T'es arrivé 2-3 bricoles. Et dernier ou dernière, c'est qui? J'ai pas vu. Enfin, pas dernière, mais 11e ou 10e. Même toi, tu n'y crois pas. S'il faut toujours y croire. Sur Mario Kart, faut jamais lâcher. Mordre, jamais lâcher. GG 138, suivi de Jennifer 134 qui te talonne. Moi je suis à 123, alors j'ai pas vu les autres, je regarderai après. Non, commence pas à faire des bêtises, Pauline. Pauline veut faire du shopping, donc elle regarde les vitrines et elle regarde pas la route, quoi. C'est n'importe quoi. Il y a une verte qui part devant moi, elle se fait exploser par un boomerang qui vient de derrière. Enfin, je comprends rien. Mais j'adore. Pour l'instant, tout va bien. Salut mon petit Bloops, tu m'embêtes un petit peu, mais ça va. Derrière, il y a Camille derrière. Non, mais lâche la bombe. Elle a pas envie, hein.
Elle m'a dit, c'est ma bombe. C'est à moi, la mienne. À personne d'autre. Bon, je suis navré. Elle l'a lâché sur toi, GG. Oui, j'entends la bleue. Au pire moment. Au pire moment. Elle va arriver. Je me fais voler, très bien. Au pire moment. Rap, ça passe pas en plus. Et Mathéo qui est venu s'infiltrer hop, jusqu'à la deuxième place. Rap, bien joué. Donc GG premier. Mathéo second. Camille 4, Jennifer 6, La Peste Mojo 9. Bien joué tout le monde. Ah, les voitures, c'est les voitures. Ah, les voitures. On pourra en parler des heures de ces voitures. Enfin, c'est les mascasses surtout. Alors, classement général. On en est où ? 153, ensuite 141, 133, après 119, 105 et 54. Très bien, donc 119 Camille, ensuite Mathéo et après la Peste Mojo. Bon, la Peste Mojo, t'as une ou deux courses de retard. D'ailleurs, j'ai rectifié. La durée du tournoi. C'est vrai, c'est toi Camille qui m'avait fait, je crois, remarquer que ça allait jusqu'à vendredi. Vendredi 23h. Un tournoi d'un jour et une heure et demie. Pas mal. On fera un jour un tournoi de 24 heures. Les 24 heures du MK. 24 heures du Mario Kart. Vous imaginez ? Non, je pense qu'à la fin, on craque. Avant la fin, on craque. En tout cas, moi, je craque. Bien, alors, le champ de boule, attention. Non, j'ai dit... Non, mais voilà, j'ai dit attention. Mais oui, mais et toutes les boules viennent vers moi. On se rattrape. Voilà, j'ai dit qu'on se rattrapait un petit peu, c'est bien. J'adore la plante quand c'est moi qui l'ai. Par contre, va falloir repeindre le flipper. Parce que j'ai arraché la moitié de la peinture du circuit. Donc, après, petit coup de peinture. Ah, la Peste Mojo au 6ème devant, je te vois. Salut, mais t'es qui toi ? T'es qui ? Je sais que t'es un personnage de Animal Crossing, mais je sais pas comment tu t'appelles. Ah, c'est Mario ! Oh Mario ! Mario, reviens là Mario ! Non ! Bon, un petit éclair me serait salutaire. I am
I am not. Comment on dit not? Je sais pas. Bien joué tout le monde. Jennifer en première position, je vois. Ah, une bombe a été lâchée sur toi, GG. Ah mais c'est toi, le personnage Animal Crossing, qui s'appelle Marie, donc. Le petit chien. La purge, ça y est. On arrive à la purge. Donc là, on donne tout. On donne tout, dans tous les sens. Ah, mais peut-être que c'était un bot parce qu'il n'y avait pas de nom dessus. Donc c'est Marie. Hop là, ouais. Et ça commence, ça commence. Il commence à y avoir des bananes partout. Oh, c'est dur. Allez, on grimpe. Ça y est, je suis dans le peloton de tête. Je balance la bombe à corps perdu. Très bien, troisième pour l'instant. On est à combien de tours? Sixième tour déjà. Il faudrait au moins une vingtaine de tours ici. Vous imaginez, la purge. Septième, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Je crois que j'étais coiffé sur le poteau, Mathéo. Alors, qui a remporté cette joute? Seulement infâme. Jennifer, première. GG, deuxième. Et bravo à tout le monde, j'ai pas eu le temps de voir. T'as raté la marche? Ça arrive. Ça arrive au meilleur d'entre nous. Le monde glacé d'harmonie. Alors pour moi, le monde d'harmonie signifie un petit peu la pureté, donc il faudrait parler en ASMR. Un petit peu comme ça. Faut gratter le micro aussi, comme ça. Gratte le micro. Et on parle tout doucement, comme ça. Voilà, on voit tout doucement. Attention à ne pas tomber. Tu récupères bien les pièces, hein, c'est bien. Attention, petit pingouin. Ils sont gentils, mais ils sont vicieux. Tu gères la fougère, ma petite Pauline. Tu l'entends, cette petite bleue, tu vas lui faire un gros bisou.
Super, y'a un pingouin qui s'est pris la rouge à ta place. Il l'a pas volé celle-là. Attention, y'a Jennifer derrière. Voilà, tu me récupères cette 6 pièces. Et tu fonces. Ok, tu perds pas de sang-froid. Tu gardes ton sang-froid. Superbe. Est-ce que tu vas pouvoir terminer première ? Tu termines première, ma Pauline, c'est magnifique. C'est génial. Ouais. Si, je t'ai vu Jennifer arriver très très vite. Troisième GG, Mathéo 4. La Peste Mojo 6, je crois, et Camille 9, il me semble. Ça fait un petit peu peur, non ? Cette voix... venu d'outre-tombe. On est bientôt aux deux tiers du tournoi. Plus qu'une demi-heure. Mais c'est moi, vous êtes souvent raccord tous les cinq. Et moi, je suis à part pour le choix des courses. 183 Jennifer, oui d'accord, oui ok, t'es pas loin de GG. Et 132, 134, j'ai pas vu qui c'était. Non. Oh, joli! On m'a poussé! Je suis navré, la Peste Mojo, c'est moi qui t'ai poussé. Ok, la bombinette devant. Ça me fait passer premier. Incroyable. Alors pour rattraper Jennifer et GG, ça va être compliqué. Même si j'arrive à avoir de très très bonnes places maintenant, ça risque d'être compliqué. Allez ma grande, voilà tu te protèges, impeccable. Je crois que j'ai arrêté la rouge et la personne qui a envoyé la rouge. C'est qui derrière ? Qui est derrière ? Ah. Bien vu. Non, non. Non! Je garde mon sang-froid, vous avez vu. Hein. J'ai fait deux tiers de la course absolument quasi impeccable. Et là, je choisis. À tour de bras. Et ce sera la 9e place pour moi. Aïe aïe aïe.
Et Camille première, bien joué. Et Mathéo deuxième, Jennifer 4, GG 7 et la peste Mojo, je crois que tu étais devant moi. Donc 8e. Ah, je suis pas le seul à avoir eu quelques soucis. À 10e. Ah non, ah d'accord, ok. T'étais derrière moi, du coup. 10e pour toi. Vous avez vu encore, vous êtes tous raccord. Hein. Sauf moi. Heureusement, l'algorithme a compris. Il a compris qui fallait choisir. Let's go! Pardon, poussez-vous, poussez-moi, excusez-vous. Vivi, 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 vivi. Pauline s'éclate, elle s'éclate ici. Là, je commence à avoir l'habitude. Ça commence comme ça, ça commence bien. Et puis après, c'est le drame. Non, on va éviter que ce soit le cas. Alors, je suis troisième pour l'instant, Jennifer deuxième. GG en première position. Je te passe devant, Jennifer. Allez, double item, il me faut des champis. Ici, au moins un, voire trois champis, tiens. Triple champi, ça m'irait. J'ai pas, par contre, j'ai ça. Mais est-ce que c'est judicieux de le faire maintenant, ça? Ok, attention, la banane. Je t'ai eu ou pas, GG? Je sais pas. Ah, là, je crois t'avoir eu. Je passe premier. Oh, champignon. Un champignon et une protection. Pas du tout! Et ça, ça m'arrange au plus haut point. Merci. Merci beaucoup. Merci, petite Pauline, voix de Chipmunk. Ça rattrape ma 9e place de précédemment. GG 2e, Camille 3e. Jennifer 5, Mathéo 7. Et la peste Mojo 9. Merci pour ton bien joué. Ah. Ah. Ah ah. Est-ce qu'on va avoir le droit à notre petit Korogu national ou pas? Bon, pour l'instant, GG indétrôné. Toujours la couronne, ça date bien. Hein. Tu vois la couleur des branches de tes lunettes est raccord avec la couleur des joyaux de la couronne. Ah, et qui voilà ce soir? Bonsoir tout le monde! Est-ce que ça va bien? Alors, est-ce que vous souffrez? Est-ce que vous souffrez sur le tournoi?
Allez, je vais commenter, je vais voir, je sais pas, peut-être que je vais dire autre chose. Des bêtises, comme je dis de temps en temps. En tout cas, c'est parti. Allez, tu passes devant. Mais c'est qui, lui? Mais il a deux têtes. Ah, mais c'est petit Mario. Il est moche, ouais. Allez, le passage vers la victoire. Il est là, ouvert devant toi. Ça, c'est pas gentil. Hein. C'est Mathéo. Oh, le vilain Mathéo. À chaque fois que je suis là, il est vilain avec toi, Pauline. La peste Mojo derrière. Ah, petit Mojo. C'est nos cousins. À nous, les Korogus. D'accord. Mathéo, qui est là juste devant toi, est-ce que tu peux prendre son respiration, tiens? Tente, tu peux pas, t'es trop loin. C'est dommage. C'est triste. Éclair coup sur coup. Je dis non. J'ai dit non. Pardon, Mathéo, on passe. Ça se bat pour la première place entre Jennifer et GG. Il y a Mathéo qui s'en mêle. Oh, tu peux faire un truc là. Tu peux faire un truc magnifique. Il y a deux. Qu'est-ce qu'elles font là? Mais attendez, les bombes se reproduisent entre elles. Comment ça se fait? J'ai envoyé une bombe, il y en avait une deuxième qui marche à côté. Magnifique. Pardon, Jennifer. Pauline devait passer. Pas le choix, si elle veut terminer au moins sur le podium. Je vois rien, on voit rien du tout. J'en vois rien, je suis aveugle. Ah, j'y vois plus rien. Ah, c'est dur. Attention, troisième position. Est-ce que tu vas terminer sur le podium, Pauline? Dépêche-toi, vite. Y a-tu mis devant? Oh, est-ce que tu peux passer devant? Ça y est, magnifique. L'étoile t'a sauvé. C'était moi une. Comment ça va tout le monde? Ça va, Camille, Mathéo, la peste Mojo, GG, Jennifer. Bien joué tout le monde. Ah, j'ai pas eu le temps de voir. Est-ce que Poclin a vu? Non, j'ai pas regardé. Je t'écoute, petit Korogu. Bon. C'était encore sympa. J'adore être avec vous. Oh là là. Trop chouette. Allez, je vous laisse. Tiens, tu vas choisir Bois Vermeil pour moi. D'accord? On reste en tête de la forêt. À vos ordres, chef. Il reste combien de circuits, tiens? Il reste encore 5 courses. Ok. Là, il faut vite que je prenne les pièces. Là, clac, 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 5. Allez. Attention le lag. Oui, j'ai sorti un petit champignon, tiens. Ah bah bien sûr, une bleue. Je sais pas ce qu'on va faire, on va faire ça.
Ah, je pensais que ça allait pas passer. C'est pour ça que j'ai rigolé. Je me suis dit, je vais me la prendre quand même. Avec la chance que j'ai avec les bleus. Mais non. Tant mieux. Tant mieux pour moi, bien sûr. Paf. Bon. C'est qui? Ah mais c'est un bot. C'est un bot. J'ai fait des bêtises. Ouais. J'ai mal calculé. Vite. Alors, le petit gloops qui arrive pour nous embêter. C'est pas grave. On passe à côté. Hop, on prend le bitem. Attention à la bleue, je savais qu'elle allait me rafler. Très bien. On continue. On cesse pas à battre. On active l'étoile. Excellent timing. Tu me prends tout, voilà. D'accord. Bon, j'ai loupé l'item, malheureusement. Ça, c'est bien. Allez, allez. Mathéo, je te vois juste devant. Est-ce que je peux continuer comme ça? Quatrième, attention, on se déporte. Quatrième. On a remonté. Et Camille est première, bien joué, suivie de Mathéo. GG derrière moi, Jennifer derrière GG. Et la peste Mojo, je crois que t'étais 10, 11e, un truc comme ça. J'ai enfin réussi à faire fonctionner Adobe Dimension. Ça fait une heure que je cherchais une solution, je vais pouvoir finir ta surprise. Ah, bon, tant mieux que t'aies réussi alors à faire fonctionner Adobe Dimension. Il reste un quart d'heure. Qui est premier? Qui est deuxième? Camille, toujours la souffrance pour moi sur la deuxième moitié du tournoi. Est-ce que ce serait pas la fatigue? GG, 226 premier. 10 points derrière Jennifer. Je suis troisième, quatrième. Mince. Je crois que c'est toi Camille, ensuite Mathéo et après... La peste Mojo. C'est parti. Le véhicule de Wario qu'il a là, on dirait un véhicule de... Ah mince, je trouve plus le nom du dessin animé. Avec Satanas et Diabolo. Les fous du volant. On dirait un véhicule des fous du volant. Pour ceux qui connaissent, il me fait rire son truc. Qui est passé devant là? D'ailleurs, j'ai pas fait attention, on a perdu Terra Nova en cours de route. Mathéo, t'es premier. Bien, 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 bien vu. Ok. Et c'est dur avec les bots. C'est dur. Mais il est là. Le bot est premier. Wario. Ça m'étonne pas de toi. Et je me prends le tronc dans la face. Je vais le laisser devant. S'il y a une bleue, c'est pour sa pomme. Ah bah, trop tard.
Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ah, j'ai tenté de t'avoir avec ma rouge et ma verte. Ah, c'était une bonne stratégie, mais... pas fonctionné. Ouais, ma rouge. Elle est partie faire un tour en forêt. Bien, 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 bien. Une rouge autonome. J'allais dire, ça sert à rien, t'as beaucoup de protection, mais j'ai réussi. Juste avant l'arrivée. Je pensais que t'avais une protection. Alors, GG 2ème, Matteo 3, Jennifer 4, Camille 5. Et la peste Mojo, mais rejoins-nous. Reste pas avec les bottes. Ils sont pas gentils, les bottes. Ça y est, c'est la décadence. Voilà, moi aussi, je commence un petit peu à fatiguer... J'ai une longue journée. La fatigue commence à se ressentir. On lâche rien, on lâche rien. Ouais. Ah, quand même, non, quand même, je suis pas loin. Hein. Donc après, ouais, ok. Mais je peux peut-être... ouais, faut que je fasse attention à Jennifer et GG, quoi. Allez, attention à la voiture mobinette, bien sûr. Joe le taxi! Il est devenu fou! Très bien, pour l'instant, je passe à travers les gouttes. Matteo qui est premier. C'est venu de très loin. Je sais pas qui te les a envoyés, mais joli. Très belle chance. Ah, la voiture! Oh, purée. Ah, c'est la cata. C'est n'importe quoi. Allez, la protection. Je suis passé devant toi. Ouais, mais ouais, voilà. J'ai senti de l'air frais me caresser le dos. Mais ça fait deux fois cette voiture dans le même virage. Oh, purée. Les DJ sont devant, se suivent. Allez, allez. Je sais pas, j'ai eu l'annonce de deux ou trois carapaces derrière. Heureusement, j'ai rien eu derrière. Mince. Là, ah bah non. Vite, vite, la bleue, la bleue. Ah, c'est trop tard, la bleue. Eh bah, bien joué, Camille. Pour ta première place, Jennifer 3ème, GG numéro 4, Matteo numéro 7 et la peste Mojo numéro 8. Ça va tout le monde ?
Ah, merci Mathéo pour ton bonne chance. Doucement avec moi. Doucement avec moi. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de te répondre, Mathéo. Petit champidrome. Alors, 22e, 23e, où est-ce qu'on en est? GG 247, Jennifer 235, 232 pour moi, 184 pour Mathéo, 207 et 92 pour la peste Mojo. Donc je peux peut-être, attention Jennifer, je suis pas loin. Ou je peux... Là je peux complètement me planter et après c'est terminé pour moi. Pour la deuxième place, c'est possible. Oui, la petite banane. Ok. Qui est derrière? Camille qui arrive en trombe. Mathéo aussi, le couple DJ derrière moi. Je me sens suivi par les DJ. La bombinette, attention. Je me sens en danger. Il se passe des choses folles ici. J'ai pas double item. Mince, je me fais stopper. Ok, la peste Mojo qui passe troisième. Je me fais éclater par quelqu'un, je sais pas qui. Mais non, non, non. Oh, je l'ai dit en plus tout à l'heure, j'ai dit je peux complètement tomber ici. Faut pas. Champi. Catastrophique pour moi. Ça va être dur. Quoique, allez. On ne perd pas. Confiance, quatrième, attention. Là maintenant, il faut que je fasse attention, vraiment. Vraiment. Je suis passé troisième, attention. Ah là 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 là, jolie avec la rouge. Je sais pas quoi faire. Je sais pas qui est où. J'ai sauvé les meubles. Et GG première position, suivi de Mathéo, suivi de Camille. Jennifer derrière moi, la peste Mojo 7e. Bien joué tout le monde. Bien. Ah, mais du coup, je pense que j'ai... Ah! Je pense que Jennifer, tu t'es un petit peu envolée par rapport à moi. Au niveau des points. GG, là, t'as pris une envolée magistrale avec cette première place. Donc ça va être difficile de te détrôner. Il y a deux pas entre nous? On va voir ça. À 6 points. 2 points. Camille. Il y a 2 points entre nous. On va voir. Ah oui, je comprends la fatigue. Ah, on part dans le froid. L'expédition des Tad. Donc GG, ça va être compliqué. De te rejoindre, par contre, oui, 2 points entre nous. Ok. Entre vous, bon, bah, entre vous. Si, entre toi, entre Mathéo et toi, enfin, Camille, 196, 217, ça peut encore basculer. J'ai pas vu, c'est la dernière ou pas? Peut-être pas. Allez, on prend la tête. Et on la lâche plus. Attention, la barrière. Ah si, on l'a lâchée. Déjà. Oh, bien.
Donc c'est toi la peste mojo hein, qui est premier. Impeccable, je suis premier avec deux rouges. La dixième pièce. Et on fait pas d'erreur. Alors, qui est derrière? C'est Jennifer qui est derrière moi. Jennifer ou j'ai, je sais pas. J'arrive pas à différencier la couleur. Attention, ça se joue là vraiment. Pour la seconde place, là, entre Jennifer et moi, je pense que ça se joue un petit peu sur cette course là. L'avant-dernière ou la dernière, j'ai pas regardé. Non, mais non, mais non. Ça, non. Ça, je dis non. Je dis non. Je dis non. Je dis oui. Ah, ça, je dis oui. Je dis oui. Qui va gagner? Mais oui. Qui va gagner? Je peux pas passer là. Non, 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 non. C'est bon, c'est bon. Ah, The Cat Nova qui nous dit la peste mojo va gagner. D'ailleurs, t'es où la peste mojo? 7ème, bien joué Mathéo 8, Jennifer 2ème. Donc ça veut dire que je passe devant toi d'un point. D'un tout petit point. Ah, ça y est, on a terminé? Donc la peste mojo, je crois que toi tu as encore une course à faire. On va attendre que tu la fasses. Ce qui veut dire que... Attendez. On va regarder ça ensemble. Oh. Mais oui, on attend que tu termines. Hein. On attend que tout le monde termine le tournoi, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Le tournoi se clôt dans moins de 2 minutes. Donc tu dois avoir le temps de faire une dernière course. Tu nous dis quand t'as fini. Et puis on verra ça. Alors GG, bien joué. Attendez. Applaudissements pour GG. Alors je dis ça, mais ils sont où? J'ai perdu mes applaudissements. Ah oui, mais ils sont pas là, pardon. Ils sont là, les applaudissements. Il faudra que je change ça. Applaudissements pour GG. 270 points. Et applaudissements, bien sûr, pour tout le monde. Bien joué à tous. Encore une fois, l'important, c'est de se faire plaisir. Merci pour les derniers sifflements. Des applaudissements. Suivi de moi-même, hein, votre humble serviteur, 256. Et Jennifer, 3e, 255. Oui, donc, voilà. C'était la dernière course qui était décisive. Je suis passé devant toi juste à la dernière course. Voilà, c'est Mario Kart, je suis navré. 4e, Mathéo 201, bien joué. Camille, en fait c'est Camille qui est 4e. Tu as 200, je sais plus combien. Donc bien joué Camille aussi. La Peste Mojo 104 qui termine sa dernière course. Qui est arrivé en retard un petit peu. Donc voilà. Ça a été dur, oui, ça n'a pas été facile, GG. Mais bien joué, bien joué. Surtout au début, tu as pris, 4 premières places d'affilée. Déjà, psychologiquement, pour les autres, pour toi, déjà, c'est très très bien, c'est très très bon, pardon. Et ça te procure une avance assez considérable dès le départ. Ah, t'es tout seul? Comment ça, t'es tout seul, la Peste Mojo? T'as pas de bottes? Si, t'as des bottes quand même. Ton perso marche sur la planète? Comment ça? Je comprends pas très bien. Ben oui, là tu vas faire des points. Logiquement, tu vas faire des points. Merci à tous, c'était sympathique. Ben, merci Mathéo. Toujours un plaisir avec vous tous.
Bon, alors, pour Mario Kart, la semaine prochaine, on se fait un entraînement, enfin voilà, entraînement, soirée détente, c'est pareil. Jeudi soir, dans deux semaines, normalement, je vous le redirai, je ne serai pas présent jeudi soir, donc le tournoi sera décalé la semaine d'après. Voilà. Et en ce qui concerne la soirée défi, il va falloir que je réfléchisse. Je réfléchis. Soit je la fais en juin, soit je la fais à la rentrée en septembre. En septembre, ce serait dans 3 mois. Plus même. Donc c'est un petit peu embêtant. Parce que je pense pas la faire juillet-août. Enfin, s'il n'y a pas grand monde, ça sert à rien. À moins que vous vouliez, je sais pas, on verra si je la fais en juin ou pas. Je mettrai un petit message dans le Discord, vous me direz. Voilà, il explore la planète pour découvrir tous les Korogus. Les Korogus sur une autre planète, avec des petits casques. Ah, t'as pas de course qui se lance? Comment ça se fait? Bon. Eh ben très bien, ok. Donc voilà, donc 104 pour toi sur 22 courses, je crois. Bien joué. Merci Mathéo, bonne soirée à toi, bonne nuit à toi, à la prochaine. Voilà un petit peu pour Mario Kart. Oui, je vais tenter de la faire en juin. Voilà, donc vous me direz. Je vous reposerai la question la semaine prochaine. Pour celles et ceux, voilà, ce sera un samedi, logiquement. Je donnerai des dates, vous me direz si vous serez là, si vous avez envie d'être là aussi. Enfin voilà. Ah, t'as filmé, t'as mis une vidéo sur Discord. Bon, ok, on va aller voir ça. Très bien, et puis on se retrouve demain soir pour la suite de Rayman. Akomi, t'as bientôt fini la surprise. Dans 30 minutes, t'as fini. D'accord, mais du coup, on ne sait pas encore ce que c'est. Bon, bah, tu nous diras. Bonne nuit, Camille. À bientôt. Pour Discord, il faut que je vois comment ça se passe. C'est-à-dire, GG. Parce que tu connais pas, c'est ça? Allez. Oui, eh ben c'est une application installée, enfin je crois. Hein. Parce que moi non plus, je suis pas là. Comme je disais, je l'ai installée, j'ai mis en place des choses pour la chaîne. Je suis pas calé. Donc logiquement, tu télécharges, tu entres un pseudo, enfin bref, tu t'inscris et puis tu rejoins le serveur. Là, tu tapes, on fait ça, hop. La commande Discord que je n'ai pas rentrée parce que ça marche pas. Voilà. Enfin voilà. Bon, bah écoutez, ma foi, c'était bien sympa, fort sympathique, encore une fois. Bien joué, GG. Donc, premier, c'est toi qui as la couronne à détrôner pour pas dans 2 semaines, mais dans 3 semaines. Merci à tous. Très bonne soirée et très bonne nuit. Et à demain pour Rayman Legends. Ciao, ciao, tout le monde.